Bonjour tout le monde, je suis Pikachu et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je viens de rentrer la Manga Mania. Et qu'est-ce qui se passe? Colis manga! Ok les gars, alors j'ai vu que la série que contient ce colis vous plaisait beaucoup. Donc j'avais demandé la dernière fois aux entreprises de m'envoyer des colis s'ils avaient des choses intéressantes. Sauf que j'ai reçu pas un colis. Attention, c'est pas fini. Hein. Pas deux colis. Pas trois colis. J'en ai reçu quatre. Mais pour cette vidéo, on va en ouvrir une. Donc si jamais vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a dans les autres petites boîtes, laissez un gros pouce like et je recontinuerai ma série pour le quatrième épisode que contient cette boîte. Mais aujourd'hui les amis, c'est celle-ci que nous allons ouvrir. Ah ! Mais le truc super drôle, c'est que dans l'email, ils m'ont marqué « On va t'envoyer un colis, mais par contre, fous pas le feu ou lui fous pas des pétards car ça peut endommager ce qu'il y a dedans. » Mais pourquoi ? J'aime bien brûler mes colis, moi. Ok, ça va, on va être sage pour cette fois. Alors déjà, c'est assez lourd. Alors les amis, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez qu'il y a dedans. Attention, moment de suspense, je vous laisse le temps de commenter. C'est bon, vous avez commenté? C'est parti. Alors attention, dans cette boîte, il y a, attention... Wow! Wow, mon gars! Oh! Mais il y en a combien, mon... Ouh! Ça, mon gars! Ouh, il y a un petit concours! Oh là 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 là! Truc de ouf! Oh my god! Oh putain! Oh là! Là, je suis youtubeur! Là, je suis youtubeur, mon gars! J'ai reçu, attention, un... Nelgato Game Capture, mon pote. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'attention, il y en a un deuxième, mon pote. Ça veut dire que celui-là, il est à vous pour vous le faire gagner. Waouh. Tu vois ça, c'est le Elgato Game Capture. Wow. Mais attention, c'est pas fini. Il y a encore quelque chose encore plus ouf, mon gars, qui est dedans. Il y a deux Elgato, mais il y a encore un truc méga ouf. Alors pour ceux qui savent pas qu'est-ce que c'est qu'un Elgato Game Capture, en fait, c'est un boîtier d'acquisition pour stream ou record ces jeux de play ou PC. Ça sert vraiment à beaucoup de trucs. Ça veut dire que si jamais je fais un live, je vais pouvoir mettre ma caméra en webcam, parce que j'ai juste à brancher ma caméra en HDMI sur le boîtier et le boîtier sur mon PC. Oh là là, truc de ouf les gars. Vas-y, on va l'ouvrir, on va l'ouvrir. Heureusement quand il n'y a pas mis le feu. Heureusement quand il n'y a pas mis le feu, mon pote. Oh, c'est beau. Oh, trop bien, mon pote. Oh, c'est tout petit. C'est tout petit. Oh, merveilleux. Franchement, je pouvais pas... Je m'attendais vraiment pas à ça, parce que je fais pas de gaming. C'est pas exprès pour le gaming, mais c'est cool. C'est cool. Et il n'y a plus rien dans cette boîte. Dégage. Le moment chiant où tu défais tous les fils. Waouh, et salut mon gars. Oh, rouge et tout. Ah, il s'allume plus rouge. Bon, je peux pas le tester parce que j'ai pas de console, mais je vous assure que c'est vraiment bien. Regardez, il sera rouge. Bon, celui-là, je le mets de côté. Et pour le concours, restez jusqu'à la fin. Ça se passera à la fin pour vous le faire gagner. Et les amis, ce qu'il y a dedans cette boîte, c'est encore plus fou que ça. J'en avais entendu parler. J'ai vu des vidéos de test, mais je sais même pas si c'est encore sorti en France. Mesdames et messieurs, bon, par contre de ça, il y en a pas deux, il y en a qu'un, je suis désolé. Mesdames et messieurs, ils m'ont envoyé le Stream Deck, mon pote. Oh là là, le Stream Deck. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est que le Stream Deck? Ben moi je ne sais pas parce que je n'ai pas testé, mais j'ai vu des vidéos. En fait, ça peut servir pour les lives, pour internet, pour plein de trucs. Ça peut servir pour Twitter, ça peut servir pour plein de trucs. Putain, j'ai même plus parlé. Ben bon, je suis content. Oh, petit livre. Ok. Oh, c'est magnifique. Les amis, c'est magnifique. Regardez. Ça fait comme une petite tablette. Vous savez, le lunchpad pour faire de la musique. Bah, c'est pareil. Ah, oh, faut que trop je teste ça. Bon, par contre, il n'y a pas beaucoup de câbles. Hein. Voilà, ça commence là et ça s'arrête là. Tac, et on le branche. Oh, regardez. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un logo Elgato. Ah, oh, le turfu, mon gars. Vas-y, faut trop je teste. Les gars, vous savez quoi? Parce que je vais mettre longtemps à savoir comment ça marche, à tout comment fonctionner. Je vais faire une petite pause comme ça, là. Et vous allez voir, ça va être tout réglé. Regardez, attention. 3, 2... Ça veut dire que je vais faire une transaction, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. 3, 2, 1, pouh! Mais voilà, il y a tout qui est réglé, les gars, c'est vraiment trop bien. Donc, j'ai pas galéré, mais en fait, faut savoir comment ça marche. C'est très très simple d'utilisation. Vous allez voir, je sais pas comment vous dire, regardez, là vous avez vu, j'ai mis mon logo Google. Quand j'appuie, voilà, là j'ai mis tous mes liens favoris. Genre, imaginez, je vais aller sur YouTube, j'appuie.
Vous avez vu là? Vous avez vu? Ça m'a mis sur YouTube. Regardez, je vais aller maintenant sur Twitter. Bam! Twitter, mon gars! Là, je fais retour. Je veux aller dans mes logiciels. J'appuie sur mon truc logiciel. Donc, tout ça, c'est moi qui l'a préconfiguré. Hein. C'est vraiment personnalisable à 100%. Je vais dans mes logiciels. Je veux ouvrir, je sais pas moi, Photoshop. Boum! Photoshop qui s'ouvre, mon gars! Photoshop! Nickel, nickel. Je peux ouvrir n'importe quoi si je veux ouvrir Skype, Discord, Spotify ou même. Merde, j'appuyais. Bah, ça m'a ouvert Spotify. Après, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez si vous voulez ouvrir Minecraft, Steam, bref, un truc de ouf. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez même interagir avec Twitch. Ça veut dire que c'est connecté à Twitch. Vous allez pouvoir mettre votre stream en mode LAN ou sinon couper votre micro, couper votre webcam. Regarde, attendez, hop, on va ouvrir. Stream, Twitch, voilà, regardez, là c'est moi, regardez, coucou, là c'est une webcam, si je veux couper ma cam, j'appuie sur la cam, hop, plus de cam, je remets la cam, je veux changer de décor, j'appuie, hop, je remets, je rechange, c'est vraiment le turfu, c'est vraiment, merci Elgato. Vous pouvez même envoyer des tweets, donc envoyer des pré-tweets, genre vous dites, attention, je suis en live, et à chaque fois que vous serez en live, vous appuyerez sur ce bouton là, que je n'ai pas configuré, et vous appuierez sur ce bouton et en fait ça va donner ça va tweeter de toute façon, attention je suis en live, et à chaque fois que vous lancez un live vous appuyez sur ce bouton, ça tweetera automatiquement. Et après je me suis amusé à faire un petit montage, bam, et voilà mon gars, YouTube ma gueule. Donc vraiment merci Elgato de m'avoir envoyé tout ça et d'avoir pensé à mes abonnés. Vous savez que j'aime bien faire participer mes abonnés dans mes concours, enfin dans mes vidéos, c'est à dire que à chaque fois que vous m'envoyez un produit, essayez de me l'envoyer en deux fois, là je parle aux entreprises, comme ça ben, je peux les faire gagner et ça serait cool. Donc pour le concours du Elgato les potes, il va falloir juste commenter dans la vidéo, genre commenter un truc intelligent, pas genre je participe. Si commentez un truc bien, laissez un pouce like et partagez la vidéo. C'était Pika, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas le petit pouce like pour les autres unboxings des colis qui m'attendent derrière. Et n'oubliez pas pour le concours. C'était Pika, bye.